Et salut à tous les frères, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo sur FIFA 22. Encore une fois, hein, on va parler de la carte de Shaqiri Foundation. Voilà, le petit attaquant droit suisse qui joue. Oh, les mecs, je crois qu'il joue en MLS en vrai de vrai. Quel club, je sais pas. Chicago Fire FC. Ok les mecs, désolé pour l'accent. Donc je vais vous dire comment la faire le plus facilement et le plus rapidement possible en combinant plusieurs défis. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ça me ferait vraiment plaisir et surtout pour ne rien louper sur toutes les cartes objectives du jeu qui vont sortir les mecs. À chaque fois que j'aurai une carte objectif, je sortirai la vidéo comment le faire le plus facilement et le plus rapidement possible. Donc voilà les mecs, n'hésitez pas à vous abonner par rapport à ça. Et à liker, ça me ferait vraiment plaisir. Et dites-moi en commentaire du coup si vous allez faire Shaqiri et les cartes MLS qu'ils ont sorties dans le jeu, les mecs, ça m'intéresse. Moi, honnêtement, je pense que je vais en faire. Donc du coup, on est parti pour le premier défi. Finition soignée les mecs pour le premier défi. Donc marqué avec des joueurs de MLS dans 7 matchs amicaux Fut Live, manager de talent, différent avec au moins 16 joueurs de MLS parmi les titulaires. Donc, tout simplement les mecs. Marqué avec des joueurs de MLS dans 7 matchs différents managers de talent. Et il faut que dans l'équipe il y a 7 joueurs de MLS parmi les titulaires, tout simplement. Et vous gagnez un pack joueur noté 75+. Donc vous n'êtes pas obligé de marquer avec les joueurs de MLS, plus il faut qu'ils soient dans l'équipe. Voilà, vous avez Neymar attaquant gauche et tout le reste MLS. Vous pouvez marquer avec Neymar tant que dans le 11 titulaire il y a le joueur de MLS. Ok les gars, voilà, donc c'est plutôt facile à faire. Maintenant, deuxième défi, la MLS en force. Adresser 4 passes décisives avec des joueurs de MLS dans le match amical Fut Live Manager de talent avec au moins 7 joueurs de MLS parmi les titulaires. Donc là c'est encore simple, encore une fois de plus hein. Vous devez adresser 4 passes décisives avec des joueurs de MLS cette fois-ci. Voilà, dans le match amical Fut Live Manager de talent, toujours le même mode de jeu, avec au moins 7 joueurs de MLS parmi les titulaires. Donc on est la même équipe les mecs. Pour les 4 défis vous allez prendre la même équipe, les 7 joueurs de MLS parmi les titulaires. Vous allez devoir adresser 4 passes décisives, mais par contre là c'est avec les joueurs de MLS. Voilà, donc je vous conseille quand même d'avoir un petit milieu et des joueurs en attaque du championnat de MLS. Voilà, tout simplement. Vous avez vous adressez vos 4 passes décisives avec les joueurs de MLS et vous avez remporté le défi, peu importe le nombre de matchs. Et là, pour valider le défi en même temps, pendant que vous allez marquer dans vos 7 matchs, amicaux différents, et vous allez adresser des passes D avec les joueurs de MLS, donc 4. Voilà, donc ça peut se faire très très rapidement, les gars. Troisième et avant-dernier défi. Marquer 4 buts sur une reprise de volée avec des joueurs de MLS dans le match amical Fut Live Manager de talent avec au moins 7 joueurs de MLS. C'est moi les gars, de MLS parmi les titulaires. Vous allez devoir tout simplement marquer 4 buts sur une reprise de volée. Donc les reprises de volée, vous savez, c'est par exemple la balle elle est en l'air et vous tirez directement. Il ne faut pas que vous tirez car la frappe elle est à terre tout simplement. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui le savent, mais voilà, au moins les mecs, je peux rien, j'explique tout. Il faut que tout simplement le joueur il tire quand la balle elle est en l'air, tout simplement, et ça fait une reprise de volée. Donc vous devez en marquer 4 buts comme ça, vous devez en marquer 4 avec des joueurs de MLS, du coup, encore une fois, et toujours la même équipe de toute façon. Et voilà, les mecs, toujours avec la même équipe, toujours le même mode de jeu. Marquer 4 buts en reprise de volée, et c'est carré. Les mecs, quatrième et dernier défi, triple victoire. Vous devez remporter 3 matchs amicaux Fut Live, manager de talent, avec au moins 7 joueurs de MLS parmi les titulaires. Vous remportez vos 3 matchs avec la même équipe et vous gagnez du coup le petit Shaqiri et un petit pack joueur Electrum. Pour valider les 4 défis en même temps, ce que je vous conseille, alors vous savez qu'il y a le plus de matchs, c'est ici. Pendant que vous allez marquer avec vos joueurs d'MLS dans 7 matchs amicaux, attendez, marquez avec des joueurs d'MLS. Les mecs, j'ai dit n'importe quoi là. Ici, vous devez marquer avec des joueurs d'MLS. Voilà, j'ai dit n'importe quoi. Il n'y a pas de Neymar, je sais pas quoi. Vous devez marquer avec des joueurs d'MLS. Voilà. Donc, c'est n'importe quoi. Vous devez marquer avec vos joueurs MLS. Donc, pendant que vous allez faire vos 7 matchs amicaux, marquez avec vos joueurs MLS. Vous adressez vos 4 passes D durant les 7 matchs. Ensuite, vous faites vos 4 buts sur une prise de volée pendant les 7 matchs. Et vous remportez 3 matchs amicaux pendant les 7 matchs. Et les mecs, en 7 matchs, vous avez validé les 4 défis en même temps. Voilà, c'est très simple. Donc, excusez-moi pour le premier défi, les mecs, je me suis complètement gouré. C'est marqué avec du genre d'MLS, voilà. Donc, je vous conseille de faire une full MLS, les mecs. Une full équipe MLS, tout simplement. On va analyser la carte de Shaqiri en 2-2. 5 de mauvais pied, 5 gestes techniques, 4 de mauvais pied, c'est plutôt propre. Il est gaucher, 1m69, donc l'agilité, il doit être pas mal. Ensuite, donc, très difficile à caler, malheureusement. Donc, ça va être un super sub, je pense, à part si vous avez des icônes, mais... Ah, ça va être un super sub les mecs. 90 de vitesse, c'est très propre. Il manque de finition. Sinon, il a la puissance de frappe. Terme de passe, c'est plutôt correct. Il a l'agilité, l'équilibre. Ça manque un chouïa de réactivité. Ça manque un chouïa d'agressivité. Sinon, il a la force. L'endurance, il a pas assez pour tenir tout le match, je pense. Au moins, de prolongation, il sera cramé. Et il a pas de détente. Ok, les mecs, en vrai, c'est une belle carte, la vérité. Pour une carte gratuite, faites-la. Intuition, il a pas. Il a, ouais, après, c'est qu'il y a. Donc, après, les mecs, c'est plutôt une belle carte. Moi, je vous la conseille. Ce que si vous avez le temps, sinon voilà, après je sais que ça partira dans un SBC.
automatiquement. Donc voilà les mecs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao les gars.